retour. Je débarque dans un club, l'unique en France, où il n'y a pas de salle de basket. Bouge pas, je vais t'en dire un peu plus. Oh, là, tu sais à quoi t'attendre ou pas? Moi, dès le début de vidéo, je vais te parler exactement de ce qu'il va avoir dans cette vidéo. Ça va être un banger. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, on va dans un club et c'est le premier club où j'ai joué, celui que je vous ai parlé. Donc forcément, je me suis dit quoi? Je me suis dit, c'est parti. On va aller voir le club et je vais vous montrer à quoi ça ressemble ce club-là. J'en ai profité pour recontacter les joueurs avec qui je jouais avant. Et vous allez voir, ça risque d'être assez marrant. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette vidéo? Tout simplement, voilà, j'ai oublié. Non, vous allez avoir du vlog comme là, parce que ça, c'est ce que j'aime bien. Bah, je vais leur montrer quelques petits exercices sans trop les tuer, hein, honnêtement. Voilà. Après, on va faire des petits jeux ensemble pour gaulerie un maximum. Et ensuite, je leur ai préparé, on va se faire un petit match. Voilà, voilà. Ça risque d'être malheureux, mais les petits matchs vont pas être normaux. On va avoir des petits trucs un peu plus pimentés qui va corser les choses. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc, vous allez avoir du sérieux lorsqu'on va avoir les exercices que je vais pouvoir donner, qui sont des réels exercices et que beaucoup suivent, qui augmentent leur détente, que ce soit pour le dribble ou plein d'autres choses. Et ensuite, on va gaulerie un peu quand même, parce que vous savez que moi, j'aime apprendre en rigolant. Et du coup, je retransmets ça avec l'humour que je peux avoir, si on peut appeler ça de l'humour. Et puis, voilà. Là, le chef, il est collé. T'es collé, gros. Je suis collé. Là, t'es collé. Là, t'es chaud. J'ai chaud sur. Là t'es chaud, ouais, parce qu'on a fermé les yeux. Mon chef, là tu nous as mis. Et franchement j'adore ton. Faudra qu'on montre un petit peu ce look. J'ai concocté un poulailler, nickel. Bon, et elle est où la caravane? Elle est où la caravane, mon Joe? Elle est pas là. Les gars, ouais, là c'est une petite. Ouais, là la caravane, c'est vrai que bon, pour l'instant on n'a pas trouvé le van, mais si on se dit vas-y, il faut ci, il faut ça, non, écoute, on le fait. Et puis, voilà, cache pistache. Pistache touche. La bouche. Ouais, allez, sur ce, let's go. En vrai, on est là, on est chaud. On arrive. Genre, on est vraiment chaud, tu sais. Mais ce qu'on sait pas, c'est gros, ça fait combien de mois, gros, que j'ai pas touché un ballon de basket. Ah ouais, là, c'est chaud, là. Gros, ah, non, toi, tu retournais à la salle, quand même. Ouais, j'y suis retourné, je continue un peu le basket, etc. Mais toi, Mais gros, je sais même pas si je vais pas faire une crise d'asthme, parce qu'à la base, faut savoir que je suis asthmatique. T'as pris la ventoline ? J'ai pas pris la ventoline, mais je crois qu'il y a un gars à moi qui est asthmatique aussi, donc par chance, je pense que ça va le faire au niveau de ça. Okay. Mais là, c'est juste, mais j'espère que je vais pas. Parce que oui, ok, je fais du sport depuis longtemps, machin, mais imagine que j'arrive pas à suivre. C'est la honte. Le présentateur, c'est la honte. Pas, les gars, pause. Non. En tout cas, ce qui est important dans ce genre de vidéo, c'est si tu likes pas. Ok, il y a le like, mais si tu commentes pas, c'est la galère. C'est la galère parce que la vidéo n'est pas référencée, c'est nul, ça descend. Et moi, je vois ça, je dis, bon, ok, bah, ce genre de vidéo, ça plaît pas, c'est bon, casse la tête. Je vais pas me faire chier à faire ce genre de vidéo. Ça y est, on fait autre chose. Voilà, donc non. Si vous kiffez un petit peu ce délire-là, c'est parti, bombardez les commentaires. Bombardez les commentaires. Bombardez les commentaires. Oulou. J'arrive avec des gars. Non. Regarde pas tout ce qui se passe, hey. Y'a le van qui décale avec des gros cas, hey. C'est comme ça qu'on arrive les gars. Mais je sais pas comment ça se fait, mais je sais pas si on va faire des dégâts. Je sais qu'on est avec mes gars, on va se faire plaisir. Je sais même pas encore s'il y a des paniers de basket. C'est pas grave au skateboard, je sais que des fois y'a de la bagarre. Comme des matchs avec Salah, et ouais on s'en rappelle, hey. Ah pis faut, mais l'équipe fait le plus malin. C'est qui arrive et qui kiffe dans la vidéo Delta, mais qui va s'abonner, mais je sais pas, qui va liker, mais je sais pas, mais qui va kiffer la vidéo, car nous on kiffe trop ce délire. On kiffe trop ce délire, on kiffe trop ce délire. Ouais. Ah là, c'est trop excitant, c'est trop excitant, c'est juste là. Franchement, ça fait trop bizarre. C'est trop bizarre, vraiment. Et en plus, attends, là, je crois qu'ils ont changé les paniers. Oui, parce que c'est pas là, les gars. C'est pas là, c'est là. C'est là. Et les gars, ils ont changé les paniers. C'est juste un truc de malade.
Les petites là, quand je tirais ici, ça allait toujours, je me rappelle, sur le terrain de foot. Ça, c'était nickel. Ils ont tout refait. C'est impressionnant. Alors, attends, je vais vous présenter un petit peu le lieu. Parce que là, tu te dis, oui, bah c'est voilà. Mais c'est pas anodin. Avant, il n'y avait pas, tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Regarde, juste là. Regarde, juste là. Ça, c'était le panier à dunk. C'est-à-dire que celui-là, on s'entraînait. C'est-à-dire qu'on s'envoyait les ballons. Il y en avait un qui arrivait comme ça. Il arrivait, il prenait le ballon, on dunkait, on se faisait des petites vidéos. Ça ressemble à rien. Enfin, laisse tomber. Ici, c'était les petits sauts. Ça, on faisait les sauts. Ça, je m'en rappelle. C'est un truc de malade, ça aussi. C'est-à-dire que là, on faisait les sauts comme ça, là. Tac, tac. Oula. Oula, bah, j'ai pas le même âge, hein. Mais c'était un truc de malade. Ça, on faisait ça, les petits sauts, hop, 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 et voilà. Et c'est là que je m'entraînais la plupart du temps jusqu'à mes 17 ans. C'est là. Vous montrer les vestiaires. On avait des vestiaires. Viens voir. Là, on est arrivé, petite douche, machin, vestiaire. Mais là, ils ont tout refait, donc ça a fait un petit peu bizarre. C'est voilà. Mais ils ont changé les paniers. C'est un endroit où ils n'ont jamais voulu faire de salle. Le pourquoi du comment, je ne sais pas trop. Mais voilà. Et il y a un truc que vous allez vous dire, mais en vrai. C'est que là, on s'imagine pas. Tu dis oui, il n'y a pas de salle de basket. Mais imagine quand on allait se déplacer au club à côté et qu'il devait venir et qu'il caillait, c'était en plein hiver. Il ne se déplaçait pas, forfait, direct, il ne venait pas. Et on a encore, je crois, je ne sais pas si j'ai encore des images, mais on était sur les côtés, là, il y avait les bancs. Là, on mettait les bancs là, il y avait la table de marque, il y avait un petit carré exprès. Et puis, il y avait carrément les joueurs qui avaient des couvertures. Donc là, il y avait les couvertures là parce qu'ils caillaient. Et des fois, il pleuvait aussi. Comme il pleuvait un petit peu, on avait tout ce qui est un peu parapluie, tout ça. Et j'ai l'impression que c'est une connerie quand je vous dis ça. Mais c'est réel de ouf. Et quand c'était nos entraînements, pareil, s'il pleuvait trop, on avait un petit abri là, on attendait que ça passait et on allait se rentraîner là directement. Et ça, c'est franchement, ça me donne la chair de, je sais pas comment on dit, la chair de coq. Et après, il y a un autre truc que les gens ne croient pas, c'est que là, par exemple, quand il neigeait, alors pas nous, c'était pas 30 cm de neige, mais un petit épaisseur, on balayait un petit peu avant et on jouait après. Et on joue après, et même encore, il y a encore des enfants, des catégories, je ne sais plus c'est lesquelles catégories, mais vraiment jeunes, qui viennent là. Donc eux, à Corvol, ici, et tous les alentours, ils sont habitués à avoir pas de salle. Donc ils viennent là, les parents, ils le savent, il y en a même que c'est un peu bizarre, du coup, ils se disent, bon, bah, on va peut-être pas inscrire notre enfant, ils vont aller s'inscrire un peu ailleurs ou autre. Donc ça, voilà, c'est un petit peu plus chiant pour ça. Mais voilà, ici, celui-là, c'est le panier, celui-là où il y a eu le premier dunk. Celui-là, c'est le premier. Celui-là, je m'entraînais, je me rappelle, je me mettais là. Et en fait, je shootais une, deux, trois fois. Et je me dis, non, je rentre pas. Parce que je venais en vélo et je me dis, non, je rentre pas. Tant que je l'ai pas mis, je rentre pas. Parce que j'avais qu'une idée en tête, c'est de jouer plus haut et haute. Et du coup, j'étais matrixé. Dès que j'avais fini, j'allais là, je faisais les jambes, tac, 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 tac. Et voilà. Voilà un petit peu. Donc là, on va se retrouver là. En attendant Méga, bah voilà, je voulais vous présenter cette petite vidéo. Méga, ils vont arriver. On va installer tout ce qui est installé. Et puis, let's go, on va se faire kiffer. Les gars, vous êtes allés un peu trop loin. Oh les gars, c'est parti. Nouvelle vidéo, les gars, ils sont là, ils sont chauds. On a tous le maillot de Corvol, ça va être une dinguerie. On va vous les présenter directement un par un. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure. Ce qui va se passer, c'est que déjà, il faut s'échauffer, il faut qu'on s'échauffe. Donc on va se faire une petite gamme d'échauffement, ça va pas faire de mal, exactement, on en a besoin. Déjà juste au début de vidéo, dites-nous, ici il y a des intrus, il y en a qui ont fait du basket depuis le début, depuis tout petit, on a joué ici ensemble, et dites-nous qui sont les intrus d'après vous. Là on a le numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5, donc moi, 6, 7, 8. Mettez-nous en commentaire, basketteur 1 ou basketteur 2 et ainsi de suite, pour savoir d'après vous, qui n'est pas vraiment basketteur. Basketteur, ouais, c'est un grand mot. Qui n'a jamais joué qui n'a jamais joué au basket, on va dire, ici. Voilà un petit peu sur cette vidéo. On va commencer l'échauffement. Ouais. Allez, nickel. Là, c'est parti, on se fait une petite gamme d'échauffement, on se fait un petit talon-fesse. Voilà, nickel. Ah bah voilà. On est bien. Ah c'est bon, je suis chaud. Bah, nickel, là on va jouer, on va faire match, si on est chaud. Bah, c'était un peu ça. Talon fesse. Montez le genou. merci. Bah, le quadriceps comme ça. Puis on l'étire, on le contracte, on serre le fion et on le relâche. Ok. On lâche quoi? On serre le fion. On serre, on relâche. On serre,
On relâche. On relâche. Non, mais du coup, il me pousse. Oh, je me tenais à toi, gros. Je vais m'arrêter. Comme elle s'est chauffée, c'est plus dur que le basket. Ouais, non, ouais, c'est vrai que changer de jambe. On dirait un gang de flamands. Se... C'est vrai que là, l'allure. Moi, c'est bon. Joe, il est déjà chaud. T'es déjà chaud. Si là, on va échauffer un petit peu les hanches, parce que souvent, si vos hanches sont pas bien échauffées, ça peut être galère. Donc, quand t'as tes hanches sont pas trop chaudes, c'est les genoux. Quadri pas chaud, c'est ça peut être les genoux. Ou les chevilles. Vous allez voir, c'est très simple. Allongé tranquillou. En plus, c'est confort ici. C'est... Allez, on lève comme ça. 1, 2, on arrête. 3, on descend. On lève. Go. Il y a un truc du basket, deux, peut-être. Qu'il menteur. 3, 1, 2, 3. Kevin, tu gruges là. Non, 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 non. Oh, deux, trois. Non, non. On change de côté. Oh, les gars. Hey, chauffez-vous parce que, hey, les gars, après, il y aura des gages, vous n'êtes pas prêts. Il y a des gages après. Donc, sur quoi, les gars? Si t'es pas chaud, déjà fait. Faut faire les chevilles aussi. Oui, mais on fait deux. Allez, j'ai ma dose. Deux. Ouais, c'est bon, moi aussi. Vous êtes déjà chaud? Ouais. Oh, les gars, ils ont pas perdu le basket. Ils ont rien perdu, les gars, ils sont déjà chauds. Regarde, ils se lèvent déjà, quoi. Ouais, c'est déjà bon, alors bouge pas. On est dos à dos, on se chauffe directement. Mais attention, les quadriceps, ça c'est vénère. Il y en a, les quadriceps, ils ont claqué comme ça. Donc là, on pousse le plus fort possible. Et le but du jeu, lui, c'est de l'envoyer loin. Ok, si on lui fait manger la barrière, on lui fait manger la barrière. 3, 2, 1, go! Allez! Allez, on échauffe les quadris. C'est bien. Voilà, c'est nickel. J'ai quand même l'impression qu'on fait l'amour. Hein. Les chiens collés. Les chiens collés. Oh. Oh, bien. Nini l'a tenu. Bien joué. Nini l'a bien tenu. Oh Nico, ils sont où les jambes? Ah, je sais pas. C'est bon? Remettez-vous comme vous étiez par deux. Ouais. Petit jeu d'échauffement, on est toujours dans l'échauffement, vraiment pour se mettre dedans en mode gaulerie. Je vais les... Oh, la petite pause, ça kiffe. Il est chaud. Alors lui, c'est sûr, c'est pas l'intrus. Alors lui, c'est sûr. Non, là, non, la... vraiment pas. Plus niveau. 2, 1, go. Ah, c'est une flèche. Wow. Ok. Tu sais, oh, il y a deux. Je sais pas s'il y a faute. Hein. voilà, les gars, et ça, on n'a pas le droit. Hein. Ok, Nico, tu poses ton ballon. Go. Ok. Ah, bah nickel. Nickel. Ah non. Je suis mort ou je suis pas mort? Ah non. Regardez, eh, sans fait petit pont. Sans... Allez, les gars, ça passe pas. Vous ne passerez pas. Allez, go. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ah bah je sais pas. Si jeter le ballon, on n'a pas le droit, parce que ça fait quoi? Ça fait porter. Et moi tout à l'heure, il n'a pas porté le ballon, il m'a porté moi. Un enfoiré. Oh non, la casse qui touche. Mais alors ça, c'est, ça arrivait à Corbeil. Ah bah oui, c'est bon, j'arrête de jouer. Tu connais, c'est le jeu. C'est le jeu. Ouais, il a pas touché. Ouais, ça par contre, je demande la barre. Oui. Parce que bon. La barre. Honnêtement, je pense que c'est pas possible. On connaît chacun un côté qui peut pas se barrer sous le côté. Bon, là c'est pas. Et l'autre carré. Un, go. Vas-y, en premier au pire, là, je te suis. On fait la technique des loups. Ah oui, j'avais oublié. J'avais zappé ça. Ah, vous avez reconnu l'intrus, hein. Oh la vache. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a eu faute. Non, bien joué. Quand on jouait comme ça, bah voilà, ce qui est arrivé, on tombe, on se fait mal direct, les genoux, ça pardonne pas. Ah, c'était bobo. Alors, et est-ce que vous vous rappelez de ça quand? Histoire de la neige.
Ah qui ouais. était là. Ah ouais. Hein ah ouais. Elle jouait avec des moves, c'est pas ouf, hein, franchement. C'est vrai. C'était ouf. Il y avait tout qui l'a vécu. Je me rappelle quand, quand j'avais eu une crampe, je m'étais fait tirer ma crampe par Sylvie. C'est vrai, c'est vrai. Dédicace à Sylvie, merci. Toi, à l'époque, okay. Okay. Non, c'est vrai, t'as vu la chute que t'as pris tout à l'heure, ça t'a rappelé ton enfance. Ça m'a rappelé. Là, ça m'a rappelé parce que la chute, c'est vrai, comme on disait, on était vraiment des casse-cou. Ah bah, clairement. On tombe par terre, ça t'arrache, ça t'arrachait. Inconscient, on s'est jeté comme si c'était du parquet. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'avait pas encore goûté au parquet, tu vois. Ouais, oui. Ouais, c'est ça, on connaissait que ça. Donc, ouais. Nous, là, c'était normal. Hein. On s'entraînait sous la pluie. La pluie. Quand t'es monté sur le gymnase, on allait chercher les balles. Une petite couette. Oh, attends, là, j'ai un truc. Il y a vous rappelez qui va remonter sur attends, le toit. Attends, là. Ah ouais, j'ai cherché les balles sous le toit. Allez, parce que là, là, ça tirait, ça allait dans l'air. Ouais, ça allait. Là, ça tirait. Ça allait sur toi. Et avant, il n'y avait pas le grillage. Avec un peu de chance, t'étais dans l'eau. Hein. Oui. T'avais vu qu'à courir après la rivière, chercher le ballon. Ça, c'est voilà, pour expliquer ce qu'on tirait de très loin. Ouais, t'es un peu con. Ou certains... certains prêts, ouais, ils voyaient très loin. Voilà. Joris, ton anecdote, t'as pu réussir. Ouais, ça, je la trouve pas. Ouais, on voit, mais on écoute. Est-ce que c'est le truc ? Ça sent l'intrus. Ça sent l'intrus, les gars. Je bloque. Je bloque. Je bloque. Eh, les abonnés, moi, je pense que vous avez trouvé l'intrus. Hein. Bon, on verra après. Ouais, on verra après. Je vous laisse. On bosse les quadriceps. Les quadriceps, les gars, il est très important au basket pour nous. On se met sur une jambe comme ça. On descend, mais pas trop. On bloque doucement. Ah, vieux. Et on remonte. Bah oui, mais... Et oui. Les chaussettes lancées francs. Lancées francs. Attention. Non. Mais c'est pour ça qu'ils sautent haut. Non, c'est pour ça que je mets tout, mais... Lancez-vous. Un point pour Nicolas. Allez, c'est parti les gars. Une jambe en l'air. On descend. Ah bah et puis quoi encore? Et on remonte. Ah bah oui. Attends, sérieux. Un. Allez. Deux. Ok, non. Là c'est bien les gars. Mais trois. Moi, continuez, je regarde. Ouais, voilà. J'ai l'équilibre encore. On remonte. Quatre. Bien là. Là c'est parfait. Attends. Cinq. On remonte. On redescend. 6. On redescend, ça te tue là? Ah ouais. Bah tu mets 2. On remonte. 8. Bah ça va. Attends, faut. 9. Change de jambe là. 10. Allez, c'est bon. Putain. On va mieux. Okay, stop, changez de jambe. On remonte. 6. On remonte. 7. On remonte. 8. On remonte. 9, putain, on remonte. 10, on remonte. On s'adapte, que 10. On s'adapte. Eh ben, heureusement qu'on a que 2 jambes. On fait l'autre jambe. On fait l'autre jambe. 1. C'est déjà fait. Mais moi, c'est oh, bon. Les gars, t'as vu comment ils sont? C'est la dernière, les gars. 2. Il sait qu'on a que 2 jambes. 3. 4. Elle me fait rire, lui. 5. Normalement, après tous ces exercices-là, nous, ce qu'on fait bah, dans les programmes, ça, c'est pour renforcer énormément les quadriceps et on évite les blessures et on va chercher beaucoup plus aussi de détente après. Donc là, c'est dur pour vous, c'est normal, mais va, avant de reprendre de quoi? C'est facile. Voilà. Après, avant de reprendre le basket, souvent, il est mieux de faire du renfo comme on fait là avant de jouer, sinon on se blesse, ok? Là, le petit truc, c'est qu'on descend sur une jambe, on vient comme ça et on remonte. Je le fais tous les matins. Ça. On essaie. On au essaie. Début, je m'étais dit, vas-y, 3, je suis chaud, je vais gagner de la vache qui rit. 2, 1, go. Tu es incapable de faire une palette de vache. T'as mis ton pied. T'as mis ta main. Ok. Tu fais l'exercice, toi? Là, ce qu'on va faire, on va se faire des petits squats sautés. On se met à 90 degrés ici. Et quand je dis go, on pousse et on redescend doucement. On fait pas ça et on redescend après. C'est on pousse et on revient. Et on amortit. Ah, ok. Ok? Go. Tchou. Oh, voilà. Go. Tchou. Oh les gars, go, tcha, tcha. Oh les gars, go, tcha, oh, nickel, go, stop. Ça va, la sensation? Ouais, ça va, j'ai la tête qui tourne. Ok. Ah, mais on descend pas trop bas, hein. Go. Ah, stop, c'est bon. C'est pas lui qui descend. Hein? C'est coupé dans la lancée. Je croyais que c'était 5, je pense. Nickel. On les ramassera. On va pas les laisser. Oh,
celui qui lance le dé, il va faire un score. Si tu lances et que tu fais 3 ou 1, tu dois tirer au numéro 1. Tu tires qu'une fois. Si tu mets ton panier, direct, ça te fait un point. Mais attention, parce que si tu fais 6, alors oui, c'est bien, mais c'est vraiment, vraiment loin. Faut arriver à 10, ok? L'équipe qui perd, elle a un gage, elle va devoir jouer après avec une bouée autour du corps. Tu m'as donné des handicaps déjà, là. Il y en a qui ont déjà des bouées, gros. Allez, ça. Il y en a qui ont déjà des bouées. Il y en a, il y a Fabrice. Ouais, ouais, c'est appliqué. Les bouées, vas-y. T'as l'arrêt. Pour qu'il ait compris, pour qu'il ardisse. Commence. 3. Et on encourage si on veut. Go, vas-y, Vince. C'est parti. Jette-le plus fort, tu perds 4 du temps. 5, vas-y, gros. Les autres, on le reprend. On les reprend, on reprend. Vas-y, Vince. Attends qu'il te donne le ballon. Oula. Eh, le ballon, le ballon. Oh, oh, tricheur. Tricheur, excusez-moi. 1, oh, bah nickel. Regarde. Oui, Jimmy. 4. Oh, non. Oh, le bâtard. Oh, tiens. 4. 6. Tiens. Ah, du coup, si tu fais 6. Ouais. Oh, non. Ok, ok. Non. Allez, Lili. Allez. Va chercher. Oh, oh, le dé, c'est là. Et on a combien là? Nous, on a 4, vous avez combien? Non, non, je viens de le mettre. On a combien, nous? 5. 0, 0. Nous, on a 0. Oh, 5, 5. Oh, tant, le dé. Le dé. Ah, d'accord. Merde, jette pas le 4. Allez, allez, insiste, je te le tape. Fume le feu. Voilà. Oh, attends, vieux. Oh, allez, oh, il est cassé. Ah non, on a fait 1. Mais non, j'ai mis. Ah oui, je l'ai loupé. 4. 8. 8. Allez, Joris. Non. Allez, Joris. Oh, ils ont. Oh, oh, combien? Ça a triché. Oh, ça commence. On leur donner la bouée, on doit choisir à qui on donne. Et regarde, cette bouée. Cette bouée. Joseph. Ça va non. Bien à Nico, je trouve. Plus à Nico, quoi. Oui, c'est boué. Ça me dérange pas. Oh, ok. Tu te souviens? Il y a déjà eu, hein. Il y a déjà eu ça. Et dis-toi bien que les pénalités qu'il prend, jusqu'au match, il va devoir les avoir. Ce qui va se passer, c'est qu'on doit tirer là. Toujours pareil. Lui, il a son gage, donc ça va être compliqué pour lui. On tire d'ici. L'équipe qui perd, on tire, on prend le ballon, on ramène au deuxième. L'équipe qui perd se prend une bouée. Plus on a des bouées, plus ça va être galère pour jouer après. Ah ouais. C'est bon, les gars? Allez. Vous voulez qu'on fasse un cri de guerre? Ouais, c'est ce qu'on fait. C'est quoi notre cri de guerre? Mais on la shoot, oui. C'est normal, c'est les règles classiques, ça. 1, 2, 3. Oh! C'est quoi ça? On fait le cri de corval. On fait le cri de corval. C'est quoi déjà? Et surtout. Allez, le cri de corval, le méga cri de corval. Allez. 1, 2, 3, ensemble! Papa, papa! Les sensations! Oh, les sensations! Let's go! Stop. Allez. Ok! Oh, c'est. Oui! Un! Allez, tous ensemble! Allez! Allez. Oula! Oula! Et celui qui fait le airball là. Ouh! Oui, Jimmy! Aïe aïe aïe! Oh, si ça finit sur le parking là! Oui! Oh, Julien, il est chaud! Les gars, Julien, il est chaud! 1-1. Oh, oh là là, les gars! Les gars, on va perdre! Oh! Non, les gars, on va perdre! Non, non, les gars, vas-y, on remonte! Non! 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 Ok. Fume ça, Oh non! Oh non, mais ça, c'est disque à la. C'est voilà! 4! Là, on va remonter! On va remonter! Aïe! Aïe! Du coup, il est sorti du terrain! Non! Oh, il est sorti! Oh là là! Mais là, les gars, il y a un truc dans la balle, c'est pas possible! Bâtard! À deux! Merde! Voilà! Allez! Allez! Changement de côté! Normalement, il y a tout le côté. Les gars, moi, je pense qu'il faut le donner. Je sais vite vu. On est number one. Oh ouais. Numéro 4. Allez, les enfoirés. Oh, les gars, les bien roses.
Et bah, t'es chef d'équipe. Ok, nickel. Ah bah, j'avais pas prévu ça dans le scénario, les gars. Bon, bah, c'est fini. Le plus important, les gars, peut-être qu'on s'est fait avoir là, mais les gars, on va remonter avec notre équipe. On va faire des tirs de loin. C'est la première équipe qui en met. Après 3 points. Du milieu de terrain. 2, c'est bien déjà. 2 On part pour 2. C'est parti, on se met en middle terrain. Milieu de terrain ? Ouais. Ok, on fait. Go ! Oh ! Ok, 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 vas-y, vas-y. Vas-y, Vincent. Oh, c'est... Oh, le caméraman ! Oh, il a percé le ballon ! Non, en gros, il a percé. T'as percé le ballon ? Oh là là. Oh la casse ! Et dans le bac à sable. Oh les roches. Oh, oh les roches. Allez Kevin. Ouh là là. Ouh là là. Oh les meufs. Oh. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là. Ah, équipe des mauvais. Ah, je suis mort. Oh, oh les gars, attendez. Oh non. Oh. Et c'est la bouée. Bien joué en trichant. Bien joué en trichant. J'ai but. Il n'y a pas la goal line, mais normalement il n'est pas passé. Équipe, équipe. Les gars, Vincent, Vincent. Allez, Vincent, à l'unanimité, nous avons décidé de remettre la bouée à Vincent. Nickel. Ok, nickel, nickel. Je vois les deux là, mais... On fait une bouteille d'eau vite fait. C'est sur une moitié de terrain là. Eh, tu fais quoi là, hein? Et on fait une moitié de terrain quand même. Comme ça. Là, on oui, fait bah, un match. Ah oui, vas-y, continue. Ah bah, j'ai cru que t'allais me faire un 4 contre 4 tout le terrain. Là, je finissais pas là. Ah bon? Ah bah, t'as miché le sol là-bas. Bah, c'est pas ça, les gars. Oh, bah, c'est... Entier. Bah, non, mais gars, demain, lui, il a. Bah, non, puis demain, t'as compète de boules là. Oui. On part avec une sacrée difficulté, nous. On en a deux. On a deux bouées. Ça va être limite. Le prochain gage, ça va pas être la même chose. Là, on part avec une difficulté de malade. Sauf que le prochain. Va falloir allumer l'équipe. Là, les gars, on se venge. Mais non, là, après, franchement, je te jure que même moi, je galérais à shooter. Donc là, je pense que, honnêtement, je sais même pas comment je vais faire. Pour finir plus court, on va voir s'il y a encore des anecdotes quand même. Ok, voir s'il y a des trucs que vous vous rappelez ou autre sur Corvol et choses comme ça, s'il y en a qui se rappellent. Une fois, on avait fait une saison, là. Ouais. La première qu'on avait faite, je crois. Ouais. C'était génial, on a gagné aucun match. C'est tout le championnat. On était dernier. Il y avait une technique. Mais on était 5. On et était 5. Et toute l'année. Toute l'année. Ouais. Donc, quand il y en avait un malade, bah, des fois. C'était compliqué. Bah ouais. Et puis, souvent, je faisais 5 fautes. Donc, je laissais mes coéquipiers, mes camarades dans la merde. Donc, avant la mi-temps. Ils arrivaient 5 sur le terrain et 5 sur le banc. C'est compliqué. C'est compliqué de malade. Et puis, et comment, si on était malade, si on disait. Parce que c'est vrai que souvent, c'était tordu le droit à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il faisait notre coach? Qu'est-ce qu'il... Si on avait un petit malade, si on avait un petit truc. Y a pas de t'es malade. Ça n'existe pas, ça, pour lui. C'est pas possible. Bah non. Il toquait. Comment ça se fait le message? Ah oui. Pourquoi il vient pas à l'entraînement? Non, mais ah bah, il a besoin de lui. Ah bah oui, pas le choix. Ah, il venait te chercher et puis bon, c'est voilà, tout. T'y allais. Hein. C'est une belle anecdote. Moi, je me rappelle que Lionel, l'entraîneur, il était archi chaud et je me rappelle quand il gueulait sur le terrain. Allez les gars, bougez-vous le cul. Donc voilà. Donc là, on va partir sur le match, les gars. Le but, c'est de se faire kiffer et puis voilà. Bah, okay. Pas de faute, on évite. On se fait pas mal. De toute façon, il y a les bouées, on a la protection. Je pense que c'est là qu'on va découvrir l'intrus. Ah. Lui, comment il annonce. Si tu le mets aux 3 points, elle est à nous. Si tu la mets, voilà. Personne n'y a cru. Tu prends le ballon. Quand on change de quand la balle change de possession de l'équipe, dans tous les cas, t'es obligé de franchir la ligne des 3 points. Donc on prend le ballon et des fois t'attaques, même si tu sais que tu vas pas aller au panier, c'est pas grave. Tu attaques et tu relâches ton ballon. Claquer un max dunk en fait, clairement. Exactement, il fait ça, on y va. 1, 2, 3, ensemble. Ensemble, ensemble, let's go. Vas-y, garde, oula. Oula. Faute. Faute. Écran. N'hésite pas. Oula. Oula. La kéké. Oula, il le poste. Oh. Allez, une.
La peur. Oh, le shoot. Ah, dommage. Ouais, Vincent. Coupe. Il n'y a pas la balle, c'est dommage, j'en prends le presse. Ah. Oh là. Oh les gars, je suis déjà mort. Oula. Oh, le culot. Non, c'est dommage parce que t'étais vraiment pas loin. Nico. Non. Oh. Oula, bâtard. Oh, j'ai vu. Oh, il l'a vu. Oh non. Oh, il a subi le stress. Bonus ball. Oui, il attaque. Oui, Nini. Oh non. Oui, Nini. Oui. Je vais t'aider, je suis dans l'aide. Oh. Ok. Ouais. Oh, ouais. Non. Oh, oh là. Bats-toi, bats-toi. Ah, dommage. Voilà. Le problème, c'est qu'on est tous en l'air. Oui. Oui. Oh oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Fais gaffe. Eh oh. Fais gaffe à Praline. Hein. Bonjour. Quel joueur? Bah, Joseph. Oh, Joseph. Oh non. Oh, je l'ai prise. Je l'ai prise. Trois. Combien? C'est la merde. Oh, la passe. Oh non. Méga chaud, la bouée. Ah, excuse-moi. Oui, Joe. Ouais. Oh, il y a faute. Oui. Il y a faute deux fois. Oui. Coin, coin. Bien. Oh non. Oui, vas-y, sauve-toi. Sauve-toi. Plan, gros plan, merde. Bien. Waouh. On voit un coup. Ouais, les gars, là, ça. Tu sais que ça fait méga longtemps, comme j'ai pas fait de sport. Je fais la muscu et tout ça, mais là, ça me donne envie de vomir de malade. Ça va, toi, lui aussi? C'est bon. Ok. J'avais un point de côté. Il y a combien, combien, là? 5-3. 5-3. Arrêtez-le! Il a peur. Oh, la vache. Je l'ai bâché toute sa jeunesse, il a peur que ça recommence. Oui, Jimmy. Externe. Nini. Nini. Bon tir, Nini. Je le prends, je le prends. Tu peux y aller, vas-y, vas-y. Vincent, tu peux décaler sur ton joueur? Lève la tête. Oh la main, ça va. Ah non. Touche. Elle est à nous, elle est à nous. Balle, balle, c'est pour toi. Allez. Voilà. Ah, ok. 7-5. Comme avant. Tu laisses Jimmy faire et tu gagnes le. Allez, mon équipe. Allez, allez, Nini. Allez, bien joué. Oh la vache, encore. Oui, Joris. Ok, j'ai. Bien. Gars, n'hésite pas, mon Joe. J'en ai deux. Oui, oui, Nini. Oui, Nini. Ok, j'ai le canard. Ouais, ouais, ouais. Oh la bête. Ok. Oui, Vincent. T'es largement capable. Non. Ah, et c'est... Oh. Ça, c'est dans la cabane à Guigui. Ok, prenez-le, lui. Oui. Oui. Un truc. Oui, Nini. Oui, Nini, fais attention aux fautes. Que les bras, gêne-le. Oui, Vincent. Un truc. Oula. Oh là là, 9. C'est quoi ça? Oh oui, monsieur. C'est quoi? 9, ça. Les gars, on se prend une trique. Hein. C'est inventé. À l'ancienne. Yeah, yeah. Balle de match, hein, c'est... Chaud. Oh non. Oh, yeah. Oh, oh, oh non. Oh, ça veut plus, je donne que plus. Non. Non. Oui, va là-dessus. Shoot. T'es capable, mon gars. Shoot. Ouais. Ah, Vincent, je comptais gros sur toi. Ouais, shoot. Prends le. Ça. Non, airball. Ah, faut être en dessous, les gars. Là, je catchy, vas-y. Oui, encore. Dribble, 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 dribble. Encore. Oh non, l'enfoiré. Garde-le, garde-le. Non, je rigole.
Oui, Nini. Oh lol, gros, ça va? Ça fait mal au genou. Ça, je me rappelle. Nini, vas-y doucement. Vas-y doucement. Je me rappelle plus comment on shoot, mais je me rappelle que ça fait mal. Fais gaffe, Nico. Tu dis si tu veux que tu mettes un plus petit. Dur. Solo. Ya, Geno. Rattaque-le, je te fais un écran. Excuse. Vas-y, je te fais un écran. Excuse. Vas-y. Oh. Oh, la casquette, gros. Fais gaffe à la casquette. Troisième match. Et puis quoi? Eh, hey, tu saignes pas. Tu saignes pas. Ok. Il y a faute. Les gars, ils avouent pas. Il y a rien. Il m'a pas touché. Non, non, si, moi je sais pas. Oui. Allez, là, ils sont ensemble. Ah là là, les gars, ils perdent la lucidité. Ok, tout le monde écran, tout le monde écran. Libéré. Tire. Oh, ok, je croyais que t'allais marquer. Ah, je veux que tu dingues. Oh, les gars, viens. Les bouées, c'est trop. Ah, oh, c'est trop. C'est j'avoue, je regrette. C'est parti, la joue là-bas. Les gars. Faut un tu ballon. Tu vas pas toucher un ballon. Je te l'ai dit. On verra. C'est ça. J'ai compris ta technique. Moi j'ai compris la tienne. Ça m'étonnerait, mon gars. Ah, ça m'étonnerait. C'est à qui la balle? À nous. Ouais. Ok, il m'a surpris. Airball. Airball. Bâché. Ah, il a eu. Ok, c'est bravo. Dedans, c'est dedans. Bravo, voilà. Oh oui. Ok, pression, surprise, surprise. Ah, il m'a éclaté le nez. Oh, bâtard. Bien, ok. Non. Nico. Reviens. J'ai... Ouh. Oui. Chaud au cross. Oh non. Oui, oui, Vincent. Maintenant. Il s'est passé quoi là? Ah, j'adore. Double pont. Ah, j'adore. J'ai pas compris. C'est la technique. Oui, Juju. Oh, le il retourne avec ses... Oh. Ah. Bien joué, Vincent. Il va shooter. C'est une anguille, Vincent. Ouais. Oh, la passe. Oh la passe! Oh, oh les rapide, bien l'écran porteur non spile. Ouais, voilà. T'as vu hein? Il a vu. Ah bon? 4-2 ou 4? Ouais, ouais. Oh non! Oh non! Vincent qui vient! Oh Nicolas qui arrive! Oula! Oula! Aïe! Aïe! Il a cassé le canard! Vincent qui vient! Oh Nicolas qui arrive! Oula! Oula! Aïe! Aïe! Il a cassé le canard! Oh le canard! C'est surtout le canard, mon enfoiré! Oh, j'ai tapé avec le genou, non? Ça va, les gars? Ça va? C'est pas une béquille de ouf! Ça va, les gars? Ah oui! Oh, allez, oh, fais gaffe au canard! Putain! Ah oui, celle-là amorti! Oh là 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 là! Oula! Oula! Aïe! Aïe! Il a cassé le canard! Nico, il a personne là! Voilà, t'as le temps, t'as le temps! Voilà. Oh là 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 là! Oh là là! Oh! Ouais, il l'a mis! Oh les dingues, c'est comment? Il l'a pas mis, hein! Mais lâche-moi! Je ferai un montage! C'est allé trop vite, vous avez pas vu les gars! Non. Voilà. Ressort! Ça ouais! Parler juste après. Là, on a fait le match, il y a eu égalité partout. Ok, ce qui était bien, c'est qu'on a fait jouer un peu tout le monde. C'était le but. On avait des difficultés aussi en même temps. Là, on va départager parce qu'on est obligé. Là, on est rincé pour la plupart. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Je pense que voilà, ça se voit. Même moi, le premier. Et voilà, je suis qu'en reprise petit à petit. Je sors des excuses. Non, et puis, donc, on va faire sur le tir.
On va voir l'équipe qui marque le plus et l'équipe qui perd, elle sera au défi du coup après. Ok, ok, ok. Allez, c'est parti. Ah, veut pas. Ok, Vincent, allez, défonce-les. Attends, je refais mon lacet. Joseph, vas-y. Vas-y. Oui, Joris. Ok. Ouais, Joseph. Ah. Ah. Ok. Ok, ok. Ça n'a pas été simple. Ouh les gars, ça n'a pas été simple parce que vous avez vraiment accroché le truc. Vous avez vraiment dominé. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, vous avez encore des cannes et ça, c'est vraiment cool. Là, maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est que vous devez marquer un panier. Si dans votre équipe, tu marques, toi, tu t'en vas. Tu marques, tu t'en vas. Toi, tu marques, tu t'en vas. Et après, il reste un. Toi, tu es le dernier. Bah, tant que tu n'as pas marqué, tu dois continuer de tirer. Nous, on n'a pas le droit de tirer leur ballon. Sinon, c'est complètement hors jeu. Il n'y a pas de game. On doit juste leur envoyer des petites balles d'eau et les taper avec les frites. On touche pas la tête. Okay. On les tape avec les frites. On peut taper les ballons avec la frite, mais pas les mains. Ça marche? Ok. Ok les gars. Okay. Okay. L'équipe qui a perdu se met au milieu. L'équipe qui a perdu se met là. Et on se la touche. Allez, pour Corvol. Ensemble. Go, c'est parti. On touche pas la tête. Tiens. Oh, tiens. Oh, tiens pas. Allez, des bombes. Attends, Julien, faut l'allumer. Oh. Les gars, merci d'avoir joué. Merci d'avoir joué le jeu. Plaisir. Merci à toi de t'être déplacé. Ah bah oui, parce que nous, on est locaux. Non, mais en vrai, c'était cool. Vous avez vu les niveaux, c'est différent. L'intrus. Alors en commentaire, on va voir. Est-ce que c'était Nico qui a jamais joué avec nous au basket? Eh ben non, Nico a déjà joué avec nous. Et Nico, c'était le poste 4-5. Ouais. 4-5, il alternait. Ouais. Gabarit, voilà. Vincent, est-ce que c'était lui ou pas, l'intrus? Eh non, Vincent, c'était un joueur aussi avec nous, ok? Poste 3, 2. Ouais, 2-3. Ouais, c'était le 2-3. Ouais, 2-3. Joris, est-ce que c'est un intrus ou pas, les gars? Eh ben non, Joris. Et non. Il jouait bien au basket. Bon, il y a longtemps. Et ton poste? J'étais meneur. Meneur. Meneur, Joris. Un petit gars comme moi. Ça court. Joseph, est-ce qu'il était ou pas basketteur ou pas? Eh ben non, Joseph était basketteur. Voilà. Ah bah oui. Et c'est du coup, de famille en plus. De famille, encore Jérôme qui joue au Serre. Et puis, tu étais poste quoi? 4-5. 4-5, voilà. Ouais, il était parti. Nini, à votre avis? Eh ben non. Eh ben non, c'est loupé. Donc Nini, non. Il a fait qu'un an, mais ça remonte à loin. Hein. Ouais, il a fait qu'un an. Genre une petite année, il est parti, il a pas aimé. Voilà. Kevin, joueur ou pas, les gars? Et ouais, Kevin, c'est joueur, c'était pas un intrus. Vous avez vu avec les crosses, les bâches, il était encore présent. C'est bien. Poste quoi? Ailier. Les gars, est-ce que Julien était ou pas un intrus? Eh bien oui. Eh bien oui. Pas du tout. C'était la première fois de la vie. Et ouais, les gars, c'est ça qui est énorme. C'est ça qui est énorme. Donc voilà, moi j'étais à l'époque poste 1 et 2, 3, 4, 5. Après, j'ai alterné. Mais sinon, c'était vraiment 1. C'était vraiment 1. J'étais le plus petit, puis en grandissant, après, c'était autre chose. Mais voilà. En tout cas, vous avez vu, là, je suis revenu dans mon premier parce que c'était important pour moi de revenir dans mon club d'enfance. Et ensuite, le but, c'est que je puisse venir aussi dans votre club et que je puisse venir, peu importe votre niveau. Vous avez vu, on s'adapte, on joue. C'est de l'amusement. Si vous avez un autre cursus qui est plus sportif ou autre, on va faire des exercices beaucoup plus impactants. Donc, vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, nous, on a kiffé. Là, on va aller se faire un petit barbecue. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, c'était les gars, cool. Merci. Merci à toi. C'était cool, les gars. Merci d'avoir joué le jeu. Et, attends. Attendez. Ah oui. Les gars, il y a le lot. Il y a le lot quand même. Il y a le lot. Après, pour les tailles, vous mettez d'accord. T'as perdu. Moi, j'ai gagné. Voilà. Oh là là, merci. Donc, les gars, en plus, c'est les couleurs. Hein. C'est les couleurs, voilà. Ils l'ont fait exprès pour les couleurs de Corvol. Il y en a trois machins. Si les autres, vous voulez un petit lot, il y a un petit lot de consolation si vous voulez une médaille. Oh bah ouais. Tu veux une médaille? Ah, c'est une médaille en or, hein, mon gros. Là, ah, tu peux la croquer. Des trucs un peu plus heureux, des enfants qui se chient là, qui veulent apprendre. C'est l'été qui arrive et c'est l'été qui vient. C'est l'été qui arrive et c'est l'été qui vient. Pendant l'été, c'est le jour idéal pour faire travailler les jambes et dunker encore. Travailler le dribble, travailler le cardio. Travailler tout ce que tu peux pour éclater tout le monde. Sur le cuir, sur le...